Et yo tout le monde, c'est Ferox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour la découverte d'un jeu qui m'a été envoyé bien évidemment par Kimailer. Il s'agit de, je ne sais plus le nom, Emulated Ops Runner. Voilà, ça fait plaisir, un petit jeu indé comme vous pouvez le constater. Bon, c'est pas un jeu graphiquement on va dire oufissime, mais bref, on va tester ça, d'accord. Donc voilà, alors je l'ai mis en de base quand on lance le jeu, il est en anglais, je l'ai mis en français, donc voilà. Alors tout ça, personnaliser l'apparence, qu'est-ce qu'on a en apparence, les skins, quelle okay, la couleur, en gros c'est la couleur de peau, ok, on va laisser comme ça, headset, ok, ok, donc c'est des casques, des cheveux, est-ce qu'il y a une calvasse, pas de calvasse. Bon, dommage. Bon, bref, on s'en fout. Retour. C'est parti. On va faire start, du coup. J'espère, par contre, que on est bien aux commandes AZERTY. Parce que sinon, ça va être chiant. Voilà. Oula. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai plein de poussière sur le clavier. Ça fait plaisir. Welcome to your first op, rookie. A few days ago, Vectorbot stole transmission codes from one of our assembly factories. D'accord. We have tracked them down to the warehouse in Sertanic City. Your objective is to hack into the warehouse okay. And collect all of them. D'accord. Good luck. Je dois hack into the warehouse et je dois collecter des artefacts. Bah ok, bah let's go. Alors comment on avance? Ok, c'est bien en AZERTY. Bon. Bon, c'est pas fluide par contre, mais c'est pas grave. Hi, I'm Kira. Since this is your first mission, let's teach you some basics. You have a variety of different weapons available to you. Your fallback weapon is TRX-10. Okay. It has unlimited amount of ammo. Some of the weapons can be found during the mission, and some can be obtained from the lab. Go and pick up the weapon in the opposite side of the room. J'ai mis le jeu en français, mais bon, ils auraient pu quand même me mettre un sous-titre. Mais bon, c'est pas grave. Ramasser l'arme. To change between weapons, hold down the tab key. Je comprends now, ce que tu me dis. Follow me to the shooting range. Ok, donc là je dois aller au shooting range. Pourquoi ça lag par contre? Graphique max. Ambiance, musique. Non, non. Mousse, sensibility, graphisme. C'est quoi ce truc? Bref. Ok, j'ai rien d'autre en graphisme. Donc il n'y a pas de synchro vertical, tout ça. Ça n'existe pas. Par contre, est-ce que je peux courir? Oui. Avec Shift. Ok. To shoot, simply point the reticle at target and press fire. Shoot down the target. When you approach a suitable cover spot, you will take cover automatically. Go to the circle and shoot the target from cover. And that covers the basics. Now, proceed to the emulation chamber to get emulated into your first mission operative. And welcome aboard. Ok, je dois aller là maintenant. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas fou. Oula, s'il te plaît, j'ai pas envie d'avoir un droit d'auteur, merci. Mon ont déjà mis un dans la gueule par rapport au jeu de la dernière fois où on fait le journaleux, là. Ce jeu de merde. Non seulement c'était un jeu de merde, en plus de ça, j'ai pris un droit d'auteur. Donc maintenant, on va éviter. Donc, ok, il y a toujours du son, ça va. Ok, on va se mettre là. Ok, alors je sais pas trop ce qu'il faut faire pour l'instant, mais on le fait, hein. J'ai ramassé un H. Je sais pas ce que c'est. Oh, jolie caisse. Jolie bagnole. Quelle ambiance. Quand il n'y a pas de musique, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins sympa, du coup, hein. Et bon, en même temps, vu la gueule de la musique... Choisissez cette combinaison. Elle est où? Putain, je vois pas clair.
Ok, putain. J'ai un peu de tension, je vous l'avoue. Par contre, le fait qu'il n'y a pas de synchro vertical, c'est chiant le déchirement d'image quand on bouge la caméra. Franchement, ils auraient pu le mettre quoi. Je sais pas, tous les jeux le mettent. Oh, il était résistant lui. Ok. Localiser les artefacts. J'en trouvais 10. Je vais devoir subir jusqu'à là. Alors, je sais pas pourquoi mon perso, des fois, il fait des roulades. Quand je vais sur la droite. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on a de la santé ici. Parfait. Bon, c'est pas fou, les gars. On dirait un jeu Dreams. Et encore. Et les jeux Dreams sont mieux faits que ça. Mais bon. Ok. Oh les gars, j'ai envie de rejouer à Cyberpunk sur PC. Si, c'est incroyable quand même, hein. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est pas ce jeu qui me fait envie de jouer à Cyberpunk, mais bref, ça fait un moment déjà que j'y pense. Le problème c'est qu'il faut racheter le jeu et flemme. Voilà. Je pense pas qu'il y aura des bugs sur PC, parce que la version PC est la mieux finie. Comparé à la version console, donc je pense pas qu'il y aura tous les problèmes que j'ai rencontrés sur console, donc voilà. Alors, à part suivre des flèches là, je fais quoi depuis tout à l'heure? Je suis revenu là, il se fout de ma gueule. Foutez-vous de ma gueule? Non, là, je redescends. Il faut que j'aille où? Ah d'accord, quand je saute, je peux pas sauter en avant. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh là 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 là. Et puis dès qu'on touche une surface, il se met contre la surface. Bon, je vous l'avoue les gars, c'est pas fameux. Hein. Ah, distributeur de boissons. Appuie sur entrée. Pour acheter une boisson énergisante. Bah écoute, merci beaucoup. Ça m'avance pas parce que je sais pas où aller au final depuis tout à l'heure là. Y a pas une porte ici? Ici? Non? Lol. Je peux d'où il sort lui, mais. Putain, mais il faut que j'aille où, bordel de merde? C'est quoi ce jeu de con là où on ne dit pas où faut aller? Récupérer tous les artefacts de cette pièce. Mais j'en ai trouvé que 3, frérot. Tu te fous de ma gueule? Ils sont où les 7 autres? Foutez-vous de ma gueule? C'est pas possible. Ouais. Encore un bon jeu de merde, hein, les gars. Franchement. Encore du caca, hein, tout ça. Hein. Je veux bien des fois être indulgent sur certains jeux indés, mais bon. Peut-être pas poussé des fois. Mais là, en tout cas, pour le moment. Enfin, l'amusement n'est pas au rendez-vous. Ça me demande de trouver des artefacts qu'il n'y a pas. Moi je veux bien. En plus j'ai l'impression que le jeu il lag alors que graphiquement c'est de la merde. Franchement.
Là, il n'y a pas d'artefact. Mais je suis pas fou quand même. Ça fait, je sais pas combien de fois que je fais le tour. Sous les autres. Bon bah génial, on est bloqué déjà dans le jeu. Bah ouais, bah cool. Cool, franchement, trop bien. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content les gars. Vous pouvez pas imaginer quel jeu incroyable. Waouh, quel jeu incroyable. Putain. C'est pas possible. 3 sur 10. Mais il y en a pas d'autres. Ça fait 15 fois que je fais le tour, frérot, il y a rien. Y'a rien, tu veux que j'ai trouvé où tes artefacts? On est d'accord, les artefacts, c'est les petits cubes que j'ai ramassés tout à l'heure. Mais il y en a pas plus. Donc je fais quoi, moi, dans l'histoire, là? Qu'est-ce que je dois faire? Regardez, c'est n'importe quoi. Je cours contre la surface, je me retrouve en haut. Ah. J'ai entendu qu'on m'a tiré dessus. Tiens, tiens. Je peux même pas interagir avec la porte. Non, je peux rien faire. Putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Là non, ça s'ouvre pas. Il y a un truc que j'ai loupé, les gars, c'est pas possible. Là lui. Ah, il y en a un ici. Oh là 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 là. Oh, un nouveau gun. Ok. Quelle ambiance. En plus, quand je suis collé à un mur, je peux pas tirer. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Ouah, il y a même pas de tir à distance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Bon, on va s'arrêter là. Arrêtons le massacre. Ce jeu est nul. Voilà. Désolé, mais bon. Il y a un déchirement de l'image, le jeu il lag alors que c'est un jeu à la con. Enfin bref, c'est n'importe quoi. On va se laisser là les gars. En tout cas voilà, à éviter, ça c'est sûr et certain. Heureusement qu'on me l'a offert et que je l'ai pas acheté, parce que j'aurais acheté ce truc, je vous l'avoue, j'aurais eu le sub. Simplement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas comme dans la description de les soutenir à la chaîne et me soutenir dans certaines choses comme par exemple tester ce genre de truc. Me soutenir mentalement. Ça fait plaisir. Et vous avez tous les liens aussi dans la description, lien de la chaîne Twitch, chaîne mes réseaux, lien d'affiliation, Instant Gaming. Je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine, ciao ciao.